Je comprends rien. Alors Christophe, tu peux me dire ce que tu es en train de faire là? Alors là, on est en train de débander du bois par câble téléphérique. D'accord. Là, sur la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère. On est dans quel département Savoie. Là? En Savoie. D'accord. On est à quelle altitude ici là? T'as... À peu près 1700 mètres. D'accord. Donc le principe, c'est quoi là? Je vois derrière toi, il y a une drôle de machine là, que je filme depuis un petit moment. Un chariot hybride en fait. On fait donner du mou à la machine. Il avale du mou, il nous le donne après nous pour qu'on puisse tirer le câble. Ouais, parce qu'en bas de cette machine, il y a des câbles que toi tu récupères, c'est ça? Il y a des élingues. D'accord. Et puis ce que tu fais, toi, tu vas auprès des bois, puis voilà. Tu accroches cette élingue, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Tu vas loin depuis le câble, là, pour aller chercher les bois Au maximum 40 mètres, à peu près. D'accord. Après, ça fait quoi? C'est trop loin? C'est trop loin, oui. Ok. Et puis le câble, là, il est tendu sur quelle longueur, là, alors? Là, le câble porteur, environ 350 mètres. D'accord. Jusqu'à l'endroit où... Jusqu'à l'ancrage où il est accroché en bas. Ok. Donc là, les bûcherons ont coupé les bois de part et d'autre. Voilà. Et toi, avec Gabi, là, Gabi qui est en haut avec la... Avec la pelle. Vous sortez les bois, quoi, voilà. Là, avec le câble. Moi, je les sors et lui, il les trie. Alors, en fait, ça, c'est la télécommande qui me permet de faire marcher le camion. D'accord. Pour faire descendre et monter le chariot, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et pouvoir tirer les bois et... D'accord. Pour pouvoir tirer le câble et puis retirer les bois par la suite. Ok. Donc tu fais tout depuis ce petit boîtier, quoi. Voilà. Hormis tirer les câbles, parce que c'est toi qui les tires, là. Ok, puis t'as le petit okiwoki, c'est pour être en contact avec Gabi, avec ton collègue. C'est pour être en contact avec lui, au cas où il y a un problème sur la ligne, ou... D'accord. Ou que je me fasse mal, quoi, tout simplement. Bon. Christophe, là, j'ai vu que vous avez fait une sorte d'installation intermédiaire là, au niveau du câble. Tu peux m'en dire un peu plus sur ce drôle d'arbre là qui est devant nous? Alors, nous on appelle ça un support. D'accord. C'est pour surélever le câble porteur quand il y a une rupture de pente. Ok. Sinon, le câble porteur ou le chariot roule dessus. Il ne toucherait par terre. D'accord. Donc vous servez des arbres qui peuvent éventuellement faire le support, quoi. Voilà. Alors, là, il y avait un arbre à cet endroit-là, donc c'est pour ça qu'on a pris un arbre. Sinon, des fois, quand on n'a rien, on met un pylône treillis. C'est quoi exactement ça? C'est un pylône qu'on assemble. D'accord. Et qu'on dresse. Et qui tient avec des aubans, comme au bois-là. Alors j'ai vu qu'il a plus de houppier cet arbre là, il y a quelqu'un qui est allé le couper alors ce houppier là. Voilà, ouais, c'est mon collègue, c'est Gabi qui est monté pour les houpper, pour éviter qu'il bouge. D'accord. Comme ça fait vraiment, comment dire, comme un piqué en fait. Ok.
Alors Christophe, est-ce que tu as une technique particulière pour accrocher les bois? Tu commences toujours dans le même ordre, c'est du bas en haut, du haut en bas. Comment ça? Et puis comment tu fais là pour pas trop abîmer? Il y a des jeunes arbres là autour de nous là, donc faut que tu t'en tiens compte de tout ça quoi pour sortir les arbres là. Alors là, oui, alors déjà, ce qui est important, c'est le sens de l'abattage. D'accord. C'est les bûcherons qui conditionnent quand même le. Voilà. En essayant de faire le moins de casse possible, et ce qui casse, il faut le démonter tout de suite pour que ça reste propre derrière. D'accord. Et toi derrière, donc tu arrives et il faut aussi que tu fasses attention quand Voilà. même. C'est pour ça que des fois, on les coupe. Pour que, de façon à ce que quand on les tire, les bois fassent le moins de casse possible. Gabi, est-ce que tu peux nous expliquer comment on installe une exploitation forestière par câble? Donc là derrière moi, il y a un câble mât sur Ouais. camion. Donc Ok. pour l'installation, la première chose, on déplie le mât. Il Le est mât, sur un camion, quoi, là, il est sur un camion là, oui. D'accord. Après, il peut être sur une remorque aussi. Ok. Mais là, nous, ici, il est sur un camion. D'accord. Donc on déplie le mât, s'il y a un télescope à l'intérieur. Ouais. Là, il est monté jusqu'à 16 mètres de haut. D'accord. Après, à l'arrière de la machine, on déplie nos haubans. Donc les haubans, c'est les câbles qui sont tendus derrière, hein, c'est Voilà, ça. c'est les quatre câbles qui sont tendus derrière. Donc là, il faut que tu les fixes à quelque chose, c'est ça? Donc là, on les fixe à des bois qui sont vivants. On met une sangle D'accord. autour des bois pour ne pas les abîmer. Et après, on a un degré d'angle à respecter. Ouais, il faut pas les mettre, tu peux pas les mettre n'importe comment, c'est au Non, banc, quoi. on les met pas n'importe comment, non. Puis D'accord, après, donc il faut. la machine elle va pas arrêter de bouger et il risque d'y avoir des casses Il faut que tu sur trouves la machine. les bons arbres alors Ouais. pour tendre ces câbles, quoi, là. Voilà. Ok. Puis avant d'aller attacher, on met un coup de boussole D'accord. pour donner un peu l'ouverture des haubans. Donc ouais aussi avant, j'ai oublié de le dire, mais avant de tirer les haubans, on stabilise la machine avec quatre stabilisateurs, quatre vérins. Et après, on a une tourelle aussi sur le correcteur d'assiette. Donc tout ça, on le met de deux niveaux avec un niveau à bulle. Ok. Voilà. Donc une fois que les haubans ils sont attachés, là on remonte. Donc là sur cette exploitation, on remonte les bois dans la D'accord. pente. Donc après, on déroule notre câble porteur. Câble porteur, c'est le gros câble là. Il fait 22 mm de diamètre. D'accord. Et lui, ben, on le descend. Quand il y a bien de la pente, on le descend à la main, quoi. Ah, tu le tires à la main On le tire à la jusqu'à. main jusqu'en bas, ouais. D'accord. Ça pèse des tonnes, ce câble-là. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est lourd, ouais. D'accord. Donc, par contre, si jamais on n'arrive pas à tirer le câble à la main, c'est trop dur, s'il y a un replat, puis après qu'il y a un ressaut derrière, on n'arrive pas à le tirer à la main, on s'aide d'une câblette synthétique. C'est un petit câble qui fait 8 de diamètre. Donc lui, il est tout léger. On le descend jusqu'en bas à l'ancrage. On met une poulie. On D'accord. remonte. Et on accroche le porteur. D'accord. Avec la petite câblette, et ben on fait tirer le porteur. Ça nous fait descendre le porteur.
Ok, donc ça fait des allers-retours, quoi. Voilà, ouais. Et là, donc là, c'est le chariot, la pièce rouge, là, qui est devant toi, là. Donc là, oui, c'est le chariot. D'accord. Donc lui, il sert à remonter les bois sur la ligne. D'accord. Lui, il navigue sur le cap porteur. Il part du câble mât, il descend en forêt. Et après, c'est l'accrocheur qui l'arrête où il veut sur la ligne. D'accord. Donc à l'intérieur du chariot, il y a un cap tracteur qui passe. Lui, le cap tracteur, il part de la machine, du câble mât. Donc lui, il sert à remonter les bois sous le chariot. D'accord. Et après, à remonter la charge avec le chariot. Ok. Et à l'intérieur de ce chariot-là, il y a un mécanisme qui sert à donner du mou en forêt. Ok. Pour que le gars qui accroche les bois puisse tirer les câbles, c'est voilà. Ça qu'il ait de la facilité à tirer le câble tracteur. Parce que sinon, si vous avez, comme ici, il y a un peu un replat sur cette ligne. Ouais, ouais. Quand vous êtes à 400 mètres plus bas, à tirer une cordine qui fait 11 de diamètre, ouais, ouais. Qui part, il y a tout l'effort qui part de la machine jusqu'en bas au chariot et à l'accrocheur, mais c'est vachement plus dur à tirer. Ouais, ouais, que là, donc, il y a un mécanisme qui est rechargé hydrauliquement et donc ça facilite la tâche. Donc sur la ligne là, il y a deux supports. Okay. Il y en a un ici qu'on voit, il est à 150 mètres à peu près. Et on le voit là, c'est un arbre qui a été éhoupé. Donc il faut bien, toujours pareil, il faut choisir les arbres les plus aptes à faire que la ligne soit droite, quoi. Et puis, voilà, et puis qu'ils soient assez solides pour, pour supporter les charges qui vont monter. D'accord, ok. Donc il faut au minimum un bois qui fasse 40 de diamètre ouais, au pied pour un support. Et si jamais on est obligé de passer la ligne à cet endroit-là et qu'il n'y a pas de support à la rupture de pente, on met un support artificiel. C'est un pylône métallique. D'accord, donc il faut le descendre. Donc lui, on l'amène par héliportage. D'accord. Voilà. Ok. Et les comment tu dis, les intermédiaires, non, les supports. Les supports. Ils sont aubanés aussi, eux, ceux-là. Donc eux, ils sont obligés d'être aubanés, ouais. D'accord. Parce que s'ils ne seraient pas aubanés, avec la tension de la ligne et le poids de la charge, le support il se déracine automatiquement. Okay. Même si on a un bois qui fait 80 au pied à 1 mètre, avec l'effort, il va se déraciner. Donc pareil, là, on met trois aubans au sommet du support pour pas qu'il bouge et qu'il se déracine. D'accord. Pareil, il y a un angle à respecter aussi. Okay. Si l'angle n'est pas respecté, pareil, le support il va pas tenir.
On vient de finir de démonter la ligne. Ouais, c'est à 100 mètres à peu près derrière nous, là. Oh, 100 mètres plus haut, ouais. Ouais. Là, on va redescendre le câble mât. Ouais. On va le mettre sur cet alignement-là. On a un tracé qui a été fait. Hein. D'accord. Qui a été fait, là. Puis du coup, ben, on va remettre la machine ici, là. Et donc, ouais, on va faire une deuxième ligne ici. Ouais. On voit les bûcherons qui ont abattu les arbres, là. Voilà. La ligne, elle est toute coupée d'avance, ouais. Ok. Les bois ont été déjà abattus la semaine dernière, oui. Donc c'est une succession de montage, démontage, et vous avancez au fur et à mesure, quoi, voilà. Sur la parcelle. Sur ce chantier-là, ben, y a deux lignes qui se suivent. Des fois, sur l'autre chantier, on a quatre ou cinq. Ouais. Ok. Ouais. Et la longueur, ça va de quoi à quoi, on va dire, du plus petit au plus grand que tu as pu faire? Moi, ça va de la plus petite hein, qu'on a fait, elle faisait 300 mètres. D'accord. Puis la plus longue, elle faisait plus de 800 mètres. Ouais. Alors Gabi, tu peux nous dire quel est ton métier exactement? Mon métier, c'est bûcheron débardeur. Et spécialité, c'est débardage par câble. D'accord. Et cette spécialité, tu l'exerces depuis combien de temps? Débardage par câble, ça fait depuis 2007. Avant, je faisais du débardage par tracteur. Ok. Et tu fais ça dans quelle région? Là, on fait ça essentiellement beaucoup en Savoie et Haute-Savoie. D'accord. On va jusqu'en Isère aussi, s'il y a des chantiers. Ouais. Ok. Alors, dans quelles circonstances on utilise cette méthode de débardage par câble? On utilise le débardage par câble où c'est qu'il y a des fortes pentes, ouais. Et où le tracteur forestier ne peut pas aller. D'accord. Et où il n'y a pas de servitude, où il n'y a pas de piste. Ok. Et aussi dans des zones protégées, où il y a des zones humides à traverser, des cours d'eau, ben on utilise le débardage par câble, parce qu'il y a moins d'impact au sol. D'accord, ok. Tu fais ça depuis 2007, tu m'as dit Le débardage par câble. Oui, le débardage par câble depuis 2007. Ça, c'est une activité qui augmente depuis toutes ces années. Comment tu vois la chose, toi? Si, il y a plus en plus de chantiers qui nous sont proposés en débardage par câble. Tu travailles pour des communes, ou, principalement c'est... Principalement, nous, c'est pour des communes, oui. D'accord. Ou des coopératives forestières, oui. Ok. Tu es savoyard? Savoyard, oui, pure souche. D'accord. C'est ta principale activité, ce métier-là ou, Oui. Ouais, d'accord. Oh, oui, c'est ma principale activité. Après, à côté, j'ai des... Avec mon père, on fait l'élevage de genisses aussi. D'accord. Donc, j'ai ça en plus le week-end. Mais parce que tu fais des petites journées, j'ai vu, là, en plus. Oui. Donc, on en a encore pas assez de la forêt, oui. Ouais, ouais. Tu continues après. Ouais, ouais. Là, j'ai vu avec Christophe, vous faites des grosses journées, quoi. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, quoi. Hein. Non. Après, bon. Okay. On aime ce qu'on fait, là. On regarde pas les heures. D'accord. Donc, tu es d'ici. Tu connais bien les forêts du coin, j'imagine. On commence. Ouais. Tu les vois évoluer un peu, les forêts, là? Parce que dans certaines régions, comme le Jura ou d'autres endroits, il y a des gros dépérissements forestiers en Savoie ou de Savoie, là, dans les Alpes. Toi, tu ressens ça ou non? Si, nous, ça fait depuis, on va dire, 4-5 ans, oui. D'accord. Qui a de plus en plus de scolytes, oui. Ok. De toute façon, c'est lié au réchauffement climatique, oui. Donc, même ici, quoi, alors, vous avez aussi ce problème, quoi. Oui. D'accord. Ok. Ouais, on a de plus en plus des taches de scolytes, oui. Ouais, donc, c'est quoi, les épicéas qui sont principalement attaqués? Chez nous, ouais, beaucoup les épicéas, oui. D'accord. Ok. Et puis après, il y a aussi la maladie sur les frênes aussi. Ouais. On commence à en avoir pas mal aussi chez nous, oui. D'accord. Ouais, c'est le Calara, ça. C'est ça, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Enfin, il y a encore des forêts dans les Alpes, il y a des grandes forêts dans les si, les Alpes. Si, chez nous, ouais. La forêt, elle est sous-exploitée, oui. Ouais, ouais. D'où le développement aussi de cette méthode d'exploitation, là, ouais. Le câble. Ok. Parce que puis, en plus, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Ouais. Donc la forêt, ben, elle pousse de plus en plus, oui. Les terrains agricoles, ils sont de moins en moins entretenus. Vu que c'est pénible de faire. Enfin, le monde agricole
est plus difficile chez nous, quoi, avec ouais, la ouais, pente. En montagne, ouais, c'est sûr que c'est plus compliqué. Ouais. Donc on laisse un peu des endroits, ben, on laisse un peu aller, donc la forêt elle prend le dessus très vite. Ouais. D'accord. Ouais, donc la surface forestière augmente quoi, oui. Alors, dans les Alpes. Ok. Bon, ben, je te remercie d'avoir passé ces deux journées avec moi. Et puis, je suis vraiment super, super intéressé par ce que vous faites. Donc, je vous dis bonne continuation. Et puis, à bientôt. Merci. Merci à toi d'être venu. Et puis, ouais, on est content que, de faire comment de parler notre métier à d'autres personnes. Quoi. Ok. Eh ben, c'est nickel. Bonne journée. Merci, au revoir.